Fajardo donne à Stenback. Stenback s'en va vers les périmètres. Très bonne course de Stenback vers le coin du terrain. Et c'est un touché! William Stenback! Il lit pas bien ses blocs. Ben là, on va dire de quoi? Il faut croire que Luc Brodeur-Jourdain, les entraîneurs, on a trouvé une façon de simplifier la lecture pour Stenback. Deuxième essai, toujours de la ligne de 10. Crum s'installe. Le ballon qui est lobé dans la zone de but et c'est intercepté. Revirement, Reggie Stubblefield. Il quitte la zone de but, cherche des bloqueurs et Stubblefield est arrêté à leur revirement. Le quart arrière des Alouettes lance à sa droite. Antwi 4. Et Antwi qui veut... jeu qu'on a fait à Vancouver qu'on a raté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu peux faire un botté dans la Ligue canadienne. Oui. Tu peux faire un botté. Et si tu le récupères, puisque tu es derrière le botté toi-même, tu peux le récupérer et ça devient un premier essai automatique. C'est génial. Quand tu dis exploiter le livre de jeu... De la ligne de 19. Le temps des Alouettes s'installe. Bonne protection. Le receveur est seul et c'est capté. Touché Tyson Philpott. Et j'ai hâte de voir si le gars à gauche qui va traverser vers la droite de l'image, s'il passe proche du ballon. Philpott qui va apparaître. Montre un blitz. Les receveurs sont en mouvement. Crum va tenter une passe. C'est ce qu'il fait. Et c'est intercepté! Marc-Antoine Decoy! Decoy le long des lignes de côté. On va tenter de le rejoindre. Un seul joueur est là pour tenter de l'arrêter. C'est raté! Decoy! Bingo! Touché! Pegrome derrière le joueur de centre. Pegrome qui court à sa gauche. Et avec le deuxième, troisième effort... Le juge de ligne de ce côté-là est arrivé. Et là, on vient de dire que c'est un touché. Alors, Tyrell Pegrome qui inscrit un sixième touché au sol cette saison. C'est un 20e pour la concession. Premier essai et 10. Crum quitte son rayon de protection. Le carrière est frappé par le ballon et c'est récupéré par quelle équipe? Alors, voilà, les Alouettes le reprennent. Sean Lemon avec le retour d'échappée. C'est un touché. L'unité défensive dirigée par Noel Thorpe qui inscrit un autre touché. Alors, le ballon qui a été échappé par Dustin Crum. L'échappée a été provoquée par T.D. Moultrie. Tout ça, premier essai et les buts à l'intérieur de la ligne de 5. Devante Williams court, frappé par derrière et on l'aide en quelque sorte à marquer ce touché. Alors, Ottawa a inscrit un deuxième touché aujourd'hui. Dernière seconde s'écoule. Une génuflexion par Cody Fajardo et c'est fait. Victoire des Alouettes par le pointage de 32 à 15.